bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 854 de One Piece, et bien évidemment quelques petites notions sur le scan 853, parce que bah, en fait du coup c'est entre guillemets une review en deux, parce que bon j'ai pas fait de review la semaine dernière, je m'excuse, en plus de ça j'ai même pas prévenu tout ça, je suis censé reprendre les vidéos à la fin, de toute façon fallait que ça arrive, hein. Je suis comme ça, hein. C'est pour ça que j'ai tenu aucun engagement, heureusement que YouTube fait pas signer des contrats lorsque tu crées ton compte et que tu uploades ta première vidéo, ouais, imagine la situation. Mais bon bref, passons à autre chose, donc du coup on va parler de, bah, des deux derniers scans, donc juste je vais faire un peu un topo sur les deux scans, donc chaque personnage est là où il devrait être. À part Ted Brook a été capturé par Big Mom, mais on va y revenir, on va y revenir. Mais sincèrement, voilà, ça, le scan, voilà, je trouve sincèrement les deux scans limite c'était un deux en un, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est les deux auraient pu faire l'équivalent d'un scan parce que on a un peu tourné en rond en fait, hein, le premier scan, on va dire que c'était non, non, on a un peu tourné, pas spécialement tourné en rond, je m'exprime mal, comment dire, les deux se complètent en fait, hein, je veux dire, j'ai vraiment le sentiment d'avoir lu un scan en fait, j'avais lu le scan la semaine dernière, le 853, là j'ai bon, j'ai cash attaqué avec le 854, mais l'air de rien, je trouve que les deux scans en fait en valent un, voilà, sincèrement, je pense que c'est ça, même s'il y a deux bonnes choses dans les deux scans, notamment à la fin, qui est en fait, on va dire, le retour de Luffy à sa place pour tenir sa promesse qu'il a fait à Sanji, je bougerai pas d'ici. Bon, il a pas vraiment tenu sa promesse, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ok, il a été capturé. Au début, moi je pensais lorsqu'il commençait à courir partout dans le château, c'était pour retourner à sa place et que ça allait peut-être être Nami qui allait essayer de rencontrer Sanji pour lui expliquer la situation. Je pensais pas que c'était Luffy qui allait arriver en mode attends, je vais devoir Sanji. Moi je pensais qu'il allait cash retourner à sa place en mode façon j'ai tenu une promesse, Sanji il est pas con, je lui fais confiance, il va comprendre la vérité. Voilà, mais bon, non, c'est Luffy, il a cherché, puis ensuite il est retourné à sa place. Et de l'autre côté, à la fin bah, du 854, il y a vraiment, vraiment cette scène qui m'a fait kiffer. Enfin, ça fait plaisir. Ça, franchement, ça fait plaisir. Le petit côté. Le côté, on va dire, Sanji, là, est en train de revenir, voilà, c'est... L'air de rien, depuis, comme je le dis, hein, depuis l'île des hommes-poissons, depuis Punk Hazard, depuis Dressrosa, même avec Zou, et même là, avec cet arc-là, on avait perdu notre Sanji, on l'avait plus retrouvé, ce petit côté un peu... classe, j'ai envie de dire, du personnage, et là, il le fait, le petit coup de pied qu'il met au sbire de Big Mom, là, en mode, touche pas, c'est pas ta bouffe, là, c'est pas pour toi, tu touches pas, La petite, comment il rattrape la viande derrière, ce petit côté Sanji, ce petit côté pirate Sanji, voilà, il est en train de revenir, il est en train de refaire surface, comme si le personnage se disait, bon, stop. Là, si jamais je quitte vraiment l'équipage, sur mon CV, je vais mettre quoi? C'est fait défoncer par Vergo, c'est fait défoncer par Doflamingo, c'est fait capturer par Capone Bedje, par du chantage, c'est fait marcher, frapper par ses frères alors que j'avais fugué à l'âge de... quand j'étais très petit, j'ai pas envie de donner un âge, hein, mais je vais dire 6 ans. Ensuite de ça, j'ai appris que la meuf que j'étais prêt à épouser, et même limite prêt à aimer, en fait, c'était une fille pas très gentille, et donc du coup, je me suis rendu compte que depuis là, depuis un petit moment là, j'agis un peu comme, excusez-moi le terme, mais comme une merde. Voilà, donc et là il se réveille, franchement non, il se réveille en mode mais je suis con ou quoi? On n'a qu'à tous les défoncer. Suis-je bête? Je suis pas parti voir le film Gold. J'avais oublié qu'on était comme ça nous les pirates. Et l'air de rien, bah même dans le film Gold, bon, pour ceux qui ont eu le courage de regarder ma review de 50 minutes, donc vous en faites pas, cette vidéo, j'ai prévu de faire 20-25 minutes, hein. De toute façon, je pense que toutes mes reviews vont tourner dans ces zones-là, ce sera peut-être pour des vidéos spéciales que je me permettrai de faire des longues vidéos comme j'aime, et ça fait que du coup, non, même dans le film Gold, je trouvais que Sanji, surtout au niveau de la fin, face à son adversaire, comment il s'appelle, Tanaka, là, le mec qui passe à travers les murs, il avait pas même pas eu dans le film ce petit côté classe. Il avait juste le petit côté énervé avec Robin, en mode, ouais, bon, tu t'as touché à Robin? Non, je m'en fous, je vais quand même te péter la mâchoire. Non, c'est... Ça fait plaisir de le voir se réveiller, et ça fait que du coup, bah... Là, j'attends impatiemment peut-être la petite discussion qu'il va y avoir entre Sanji et Luffy. Vraiment, les dialogues, voire même l'absence de dialogue, juste la compréhension. Sanji donne à manger à Luffy, Luffy se relève et en mode bon, on va les défoncer. Voilà, c'est ça. Et aussi, ce petit côté révolte.
ce petit côté révolte, voir comment est-ce qu'il va être géré. Est-ce que ça va tout de suite aller aux oreilles de Big Mom, en mode, bon, Sanji, il a décidé de frapper un de tes hommes, et il est parti en courant, rejoindre Luffy, ou est-ce qu'ils vont quand même essayer de la jouer un peu en mode, hop, 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 on se calme, d'accord, on fait pas de bêtises, Sanji, tu viens, tu vas dans la salle de cérémonie, et c'est là où, justement, peut-être le côté, les pouvoirs de Pudding vont être utiles, en mode, bon, Pudding, change-lui vite fait la mémoire, fais-lui oublier tout ce qui s'est passé les deux derniers jours, au moins comme ça, juste avant qu'il te demande en mariage, au moins comme ça, voilà, il retourne dans la cérémonie en mode super content. Voilà, peut-être, hein, voilà, c'est vraiment le pouvoir de Pudding, autant, quitte à nous le présenter, quitte à nous en parler, autant le mettre en avant, autant qu'il serve à quelque chose dans cet arc, autant qu'il soit pas juste en mode bon, je peux changer les souvenirs des gens. Voilà, et en plus, Pudding a l'air de devenir, on va dire, un intérêt un peu particulier pour le manga, parce que on y reviendra, on va reparler de plusieurs petits points, mais Pudding, en plus de ça, elle est un peu présentée dans le scan 854 comme pas seulement du coup une fille de Big Mom, mais certes, elle nous a parlé comme quoi c'était sa préférée, tout ça, il y a tous des chouchous. On comprend mieux maintenant les raisons de la part de Big Mom. Mais bon, bref, et franchement, ça fait super plaisir de voir ce personnage, de voir Sanji se réveiller, ça fait... On l'attendait un peu, c'est vrai qu'il a fait une petite descente en enfer, qu'il est descendu, d'abord il se fait légèrement fissurer le tibia, puis ensuite il se fait ouvrir le torse, puis ensuite il se fait capturer, puis ensuite il se fait maltraiter, puis ensuite sa promise, en fait, c'est pas une bonne fille. Voilà, et du coup, non, voilà, ça fait plaisir, voilà, il se réveille, et voilà, c'est vraiment, il y a deux possibilités de toute façon dans le scan, soit les choses vont s'accélérer, voilà, entre guillemets, j'ai envie de dire. Moi, je vois bien, franchement, un peu dans le délire de l'arc, moi, je verrais bien, voilà, je verrais bien peut-être le gros bordel dans le palais, voilà, de toute façon, il y a tout le monde qui, comme je disais, qui a sa place, à part Brook qui s'est fait capturer. On a les membres dans le Mirror World, on va dire, on a Pedro, on a Chopper, on a Nami, on a Carotte, et on a Jimbe. De l'autre côté, on a Luffy qui est posté, et de l'autre Sandy qui commence à courir partout dans le château. Moi, je vois bien un peu tout ce petit bordel, vraiment être un petit bordel avec un peu tous les enfants de Big Mom qui arrivent et qui mettent un peu leur grain de sel du style « Je vais t'arrêter, Luffy, je vais t'arrêter, Sandy, je vais vous arrêter, vous !» Voilà, un peu commencer la bataille, en fait, contre, on va dire, pas l'élite de Big Mom, pas genre Smoothie ou d'autres crackers, mais vraiment des petits adversaires à droite à gauche qui ont des petits pouvoirs, des petits combats un peu dans le même genre que Brûlé, mais qui s'éternisent pas après, qu'on nous fait pas des longs flashbacks, vraiment des petites batailles à droite à gauche sans trop intérêt. Ça pourrait être en tout cas le bordel dans le château, et de l'autre côté, Big Mom qui prépare sa cérémonie et qui est absolument au courant de rien de tout ça. Elle est tout contente, elle a capturé Brook, et Brook de l'autre côté, peut-être qu'il va commencer à glaner des informations sur Big Mom, commencer à un peu plus développer le personnage, peut-être, revenir un peu sur Judge et tous les frères de Sanji, voir un peu comment la cérémonie, justement, commence à se préparer, même si ça a été très clair, la cérémonie, ça va être un meurtre, voir comment tout ça se met en place, voilà, tout bêtement, peut-être continuer de temps en temps. Voilà, donc, pour ce qui est du réveil de Sanji, voilà, c'est vraiment, non, sincèrement, c'est limite, j'ai envie de vous dire, si c'est la seule chose qui vous intéressait dans ce scan, vous pouvez limite arrêter cette vidéo ici, parce que c'est, voilà, j'ai commencé d'entrée, hein, c'était pas censé être comme ça, j'étais censé en parler vers la fin, mais non, c'est le feeling a voulu que je le fasse maintenant, et franchement, je suis très content. Franchement, je suis très content de ça, et j'espère pouvoir vous gaver de gameplay de Sanji sur Burning Blood, parce que moi, du coup, on sera en mode Sanji dans cette vidéo. Oh là là, je vais me tatouer un sourcil en spirale des deux côtés. Bref. Pour ce qui est du scan 853, donc je vais pas en parler très très longtemps, j'ai déjà parlé de la promesse de Luffy, j'ai peut-être resurvolé ça, mais bon, je pense avoir fait quasiment le tour, ça serait un peu me répéter, mais on... Il vaut trop que pas assez. Donc justement, je parlais comme quoi tout le monde était à sa place, sauf peut-être Brook. Bon, si Brook a été capturé, il y a un intérêt scénaristique. Hein. Le problème, c'est qu'on est allé sur l'île de Big Mom pour sauver Sanji. Voilà, non. Donc dans la tête, c'était en mode, bon, il faut sauver Sanji. Ce serait un peu... Après, c'est... Comment dire? Oh, je pense savoir à quoi Brook pourrait servir. Mais bon, ça pourrait... Mais bon, c'est une hypothèse qui vient de m'arriver, un petit flash hypothèse.
Mais du coup, c'est un peu dommage, je trouve, que Brook se soit fait capturer. Après, je dis pas que j'aurais aimé qu'il défonce Big Mom, non, loin de là, hein, il avait clairement pas le niveau. Après, c'est vrai, clair de rien, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu un miroir dans la salle de Big Mom. Mais bon, après, j'en ai pas cherché, donc je vais pas m'avancer sur ça. Mais ça me paraît bizarre que... Bah, qu'un personnage, voilà, que ce soit Brook, qui a bizarrement pas été sauvé, alors que c'est lui qui est face à Big Mom, voilà, ça aurait pu... Mais bon, en même temps, peut-être que c'est justement pour ça, peut-être qu'il a pas été sauvé, pour pas que Big Mom soit au courant que c'est le bordel dans le château. Mais bon, bref, passons. Et vu que je voulais commencer d'abord par parler de choses négatives à ce sujet-là, je suis en train de me rendre compte que finalement, il y a du positif qui peut sortir de la capture de Brook. La fameuse bibliothèque. Donc, on a vu le livre prison dans lequel est enfermé Nami et Luffy, et qu'il fallait brûler pour s'en échapper. Mais il y a quelque chose auquel n'a pas été développé dans cette bibliothèque, dans la collection de Big Mom, bah, c'est toutes les races qu'il y a. L'art de rien dans One Piece, j'ai pas la liste hein, de sous mes yeux, donc je vais vraiment dire tout ça de mémoire. Les races, on va dire qu'il y a les humains, il y a les géants, il y a les mecs de Skypea, donc les hommes célestes, on va dire. Ensuite, il y a les longs bras, il y a les longues jambes, il y a... Bah, du coup, il y a les Minx, ensuite, il y a les nains, ensuite, il y a les mecs avec les cornes, il y a les mecs de Oz, il y a... Et bon, je suis sûr que... Là, de souvenir, je suis en train de revisiter tous les arcs dans ma tête, mais... J'en vois pas d'autres. Et là, on a une nouvelle espèce qui est mise en avant. Et en plus de ça, je fais une petite transition pas trop fait exprès. La tribu des trois yeux, mais on va en reparler. Et ça fait que du coup, ça pourrait être intéressant, peut-être, bah, de. Un peu dans. L'air de rien, après, c'est un peu comme ça, mais un peu dans le même concept qui s'est passé, du coup, peut-être à Dressrosa, bah, découvrir, on va dire, les capturés de Big Mom. Et découvrir toutes ces espèces, tout ce zoo d'humains, via les yeux de Brook. Mais il n'a pas d'œil. Bref, et ça fait que du coup, non, la capture de Brook, du coup, peut être intéressante, parce que c'est vrai qu'on a survolé les pages de cette prison, et ça pourrait être intéressant de développer, peut-être pas non plus trop abusé, parce que l'arc se concentre vraiment beaucoup, beaucoup sur Sanji, les Vinsmoke, Big Mom, et juste vraiment développer ça, et Brook qui va du coup rencontrer toutes ces personnes, et... Ça, c'est là, franchement, j'aime en vouloir, parce qu'en plus de ça, je ne sais pas si les personnes emprisonnées dans ces livres sont conservées à vie, genre si ça ralentit le vieillissement ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, découvrir justement cette fameuse prison, son fonctionnement et les personnes qui ont du coup été capturées par Big Mom au fil des années. Voilà, après, je dis pas particulièrement qu'un personnage pourrait ressurgir du passé comme ça, mais allez savoir, peut-être du coup un nouveau personnage. En tout cas, plusieurs nouveaux personnages, peut-être justement quelqu'un qui va pousser vers un arc ou vers le futur du manga, ou qui va faire un rebondissement sur le passé, peut-être le retour d'un personnage via cette prison, ou tout simplement nous présenter cette prison pour nous aiguiller vers les prochains arcs. Ensuite, on a le pouvoir, donc ça, je vais en parler rapidement. On a le pouvoir de Tamago, là, le baron Tamago, le fruit du Tamatama. Bon, j'ai pas trouvé de... Enfin, j'ai même pas cherché, en fait. Hein. J'ai pas eu de traduction dans les scans, mais j'ai bizarrement déduit que c'était le fruit de l'œuf. Voilà, hein, c'était le fruit de l'œuf. J'ai pas fait de recherche derrière sur One Piece Wiki, voir s'il y avait eu peut-être des informations dans un SBS qui était sorti récemment, la semaine dernière, peut-être, ou même cette semaine, traitant un peu plus de ce pouvoir, un peu nous expliquant. Mais de par son fonctionnement, voilà, c'est... Bon, le baron Tamago se change en plusieurs formes d'oiseaux lorsqu'il se fait briser. Je pense que c'est le fruit de l'œuf. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit considérer ce pouvoir comme un Logia, comme un Paramecia, c'est-à-dire un peu comme Luffy, c'est-à-dire un fruit de Ginemon, on va dire, classique, ou le considérer comme un Zoan, c'est-à-dire un fruit de Ginemon animal. Voilà, alors moi j'aurais tendance peut-être limite à pencher vers vu le nom, le fruit de l'œuf. Pourquoi pas tout simplement, pourquoi l'œuf c'est pas. C'est comme si je te disais le fruit de l'embryon. Mais bon, après tout, voilà, je critique pas le pouvoir en soi. Justement, au contraire, en fait, je trouve intéressant le changement de forme. Bon, je le trouve intéressant, surtout pour le côté, en fait, on va dire un peu Zoan, dans le sens, voilà, on nous a un peu les Zoan, entre guillemets. Voilà, les Zoan, c'est pas compliqué. Hein. Pour faire un fruit du démon Zoan, faut trouver un animal et fin de la discussion. T'as les capacités, t'as le mec, je sais pas si c'est le guépard, il court vite, si c'est un oiseau, il vole. Ça booste la puissance, et l'air de rien, je trouve
qu'à part Chopper, les Zoans n'ont pas été spécialement bien développés. Je ne dis pas que l'élément du CP9 n'était pas classe, hein. Il y avait la girafe aussi. La girafe de Kaku aussi était putain de bien développée, la longueur de son cou, tout ça. Mais pour ce qui est par exemple le loup, le léopard, le bison de... comment il s'appelle là, de Dalton, tout ça, un fruit du démon ou un autre, si le fruit Zoan n'est pas mythologique, il n'est pas spécialement intéressant. Je veux dire, finalement, même le fruit de Jack, il se change en mammouth, ok, il a une trompe, voilà. Et la question, c'est de savoir comment développer tout ça, comment développer une capacité, comment faire en sorte que le mec a eu raison de, enfin, a eu de la chance de manger ce fruit, que ses capacités sont différentes pour cette raison, que seulement nous dire que ça booste ses capacités physiques, il peut voler, voilà. Et je trouve vraiment intéressant ce concept d'évolution dans le Zoan. Parce que du coup, oh putain, cette review va être longue. Voilà, c'est intriguant et ça aiguille peut-être vers d'autres pouvoirs du même genre. Après, j'en ai pas en tête, mais plutôt des sortes de stades. Voilà, un peu comme un boss, le boss final par exemple dans un RPG ou dans un action RPG ou même dans n'importe quel jeu vidéo, qui a une première forme, une deuxième forme et la forme finale qui nique tout. Voilà, donc on va arrêter de parler du Baron Tamaga parce que le coup de l'explosion du miroir. Bon, rien à dire de particulier. On va rapidement parler de la promesse de Luffy. Moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a paru bizarre au début qu'il court dans tous les sens dans le château au lieu d'aller sur. Justement, bon, je vais essayer de ralentir quand même, hein, faut pas abuser. Ça m'a un peu paru bizarre, mais bon, il a tenu sa promesse, il est affamé. Et c'est vrai que j'avais discuté avec Zakaria, donc un abonné, et il m'avait parlé de. Comme quoi, ça allait lui faire bizarre, bah de ne pas voir Luffy manger. On voit bien, hein, un peu, en plus la bouffe Luffy, c'est un peu son essence, quoi. C'est le nerf de la guerre pour lui, la bouffe. S'il mange pas, il peut pas aller se battre. Et voilà, ça, c'est vrai que voir Luffy dans cette situation et le voir refuser à manger, c'est bizarre. Et ça montre vraiment à quel point il a confiance en Sanji malgré tous les événements. Voilà, donc allez, on va terminer quand même. Au pire, je parlerai d'un certain point une autre fois. On va parler du Jinbe. Alors, pas trop content, en tout cas pour le moment, voilà, c'est... En fait, je sens vraiment le coup. Alors, Jinbe, apparemment, voilà, il nous explique comment il a fait pour s'en sortir. C'est con, bah il a pas tourné la roue. D'accord. Bon, je suis passé outre, hein. c'est pas genre ça, c'est l'événement de fou, oh mon dieu, c'est de la merde, tout ça. Juste, c'est facile. Enfin, voilà, c'est pas compliqué, c'est facile. Comment t'as fait pour t'en sortir? Ah bah j'ai tout simplement... j'ai rien fait. Tout bêtement, j'ai attendu genre que... Je sais pas, j'ai entendu que le fils d'ami avait été capturé, je me suis dit tiens, et si finalement je faisais quelque chose. Je trouve ça un peu dommage. Et après voilà, y a encore rien qui est dit, hein. L'hypothèse comme quoi sa mémoire a été chamboulée. C'était une idée sur le coup, j'y crois pas plus que ça, mais je me dis que c'est toujours possible qu'il y ait un petit twist du genre Jinbe en fait il a été obligé de faire ci parce que ça, mais bon, je commence à l'écarter de plus en plus parce que ça m'étonnerait pas que ce soit tout simplement ça, que ce soit tout simplement qu'il a rien fait, qu'il a juste attendu, et que Oda il a mis de côté en stand-by le temps que nous on se pose des questions. Oh, mais qu'est-ce qui arrive à Jinbe? Bah rien, t'inquiète, il va très bien, il va rejoindre l'équipage, t'en fais pas, achète le tome, voilà, je trouve que c'est un peu dommage, voilà, en plus de ça, il y avait plein de choses à développer, il y avait plein de directions dans lesquelles partir, et je vais plus limite faire confiance à Oda pour quand même nous réserver un petit truc par rapport à Jinbe, et même si le fait qu'il n'ait rien fait, bah c'est le cas, il n'a vraiment rien fait, bah que ça ait des conséquences sévères de la part de Big Mom. Voilà, que Big Mom fasse des putains de représailles, parce que d'où je t'ai proposé de tourner la roue pour quitter mon équipage via un châtiment, t'as pas accepté, t'as continué à travailler pour moi, et c'est une trahison. Je suis obligé de faire un truc. Voilà, et comme je disais dans ma review précédente, Jinbe, le tuer, lui, il va dire, ouais, bah si tu veux me tuer, tue-moi, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, touche pas à mon île. Bah, Big Mom pourrait, justement, en plus de ça, en lien avec peut-être, la prémonition de Shirley, j'espère que je me trompe pas de nom, bah, la sœur d'Arlong, hein, quoi, bah, du coup, conduire à cette fameuse destruction de l'île des hommes-poissons. Voilà, peut-être, voilà, ça pourrait être justement le lien, la chose que beaucoup de personnes attendaient, le lien. Beaucoup de personnes voyaient ça pour la fin du manga, mais allez savoir, peut-être que cet événement va être prématuré. Voilà, je vais pas plus avancer parce que c'est vraiment qu'une pensée, et ça fait que du coup, il y aura des conséquences sur la trahison
de Jinbe via Big, par rapport à Big Mom. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Big Mom, c'est... Alors, j'ai pas fait la remarque dans une seule de mes vidéos, mais c'est vrai que l'Ardenois, c'est le premier boss d'arc à être de sexe féminin. C'est... Et l'Ardenois, bon, je m'en ai... C'est pas dur de s'en rendre compte, on en avait même discuté avant même que je décide de reprendre les vidéos que je recommence à me faire avec certains abonnés sur Skype à l'occasion. Et ça fait que du coup, c'est vrai qu'au début, ça, entre guillemets, ça faisait bizarre, oui et non, c'était, bon, oui, il allait affronter une femme, après c'est vrai que, comme quoi mon hypothèse, l'alliance, tout ça, bah, pff, elle est tombée à l'eau, elle est tombée dans l'oubli, dans le néant, c'est mort, hein, c'est, voilà, hein, c'est un truc de fou, j'étais à des années-lumière de ce que Oda préparait pour Oda, pour Big Mom, mais ça fait quand même réfléchir dans le sens où, bon, pourquoi pas avant, bon ça sincèrement pas particulièrement, mais ça fait réfléchir dans le sens où finalement ça change rien de particulier, ça reste un arc comme un autre, hein, que ce soit une femme ou quelqu'un d'autre, à partir du moment où le fille a un adversaire badass qui est motivé et qui est une crapule entre guillemets, qu'il soit garçon ou fille, ça change rien. Il y a, je veux même pas lancer de débat de sexiste ou même d'égalité, non, c'est juste que c'est... Ça change rien à l'arc, hein, que même si ça avait été Big Daddy, le personnage aurait été le même, avec le même caractère, il aurait été aussi crapuleux, bah, ça aurait été la même chose. Voilà. Voilà, c'était rapidement pour parler de ça, quand même pour en parler. Et on va quand même terminer cette review, bah, finalement j'ai pu aborder tous les points que je voulais. Ah non, il en manque un, mais bon. Bref, donc je disais, donc c'était bah, justement, plutôt je parlais de Pudding, comme quoi il commence à avoir un intérêt un peu plus... dans le manga de façon même globale, pas seulement dans l'arc, mais carrément dans le manga, la fameuse capacité, la fameuse tribu des trois yeux, qui serait apparemment capable de développer une capacité qui serait semblable à celle de God Roger, celle qu'il avait à l'époque, lui permettant du coup de décrypter les poneglyphes, peut-être pas du même genre comme entendre les voix de l'objet, mais de pouvoir peut-être, des yeux, que son troisième œil, avec le temps, soit capable de voir des choses, des choses, enfin des un peu spirituelles, je sais pas comment vous l'expliquer, mais de voir les secrets, de voir les secrets du poneglyphe, ce qu'il cache, ce qu'il renferme. Et du coup, moi, dans ma tête, ça m'a quand même poussé un peu à une autre idée. Bah, ce serait une course. Bon, on a compris, les poneglyphes, voilà, les poneglyphes sont, comment dire, bon, les poneglyphes rouges vont être l'intérêt. Il va y avoir la course aux poneglyphes rouges. Et le quatrième qui n'a pas encore été découvert, qui sera sûrement une sorte de préquel avant la fin du manga. Voilà, oula, on a découvert l'emplacement du dernier poneglyphe, c'est un tel qu'il a découvert, vite, tout le monde dépêchez-vous, sinon il va prendre trop d'avance, faut l'arrêter, tatatitatata. Voilà, qui va être un peu le lancement des hostilités. Mais là, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce concept, dans la tribu des trois yeux, donc c'est vrai que ça nous sort un peu de nulle part dans un sens. Hein. On nous a expliqué qu'il y avait que... comment dire, Robin et les personnes de son île, du coup, qui étaient capables de décrypter les poneglyphes, bah, moi, je trouvais l'idée intéressante. Bon, ça sort un peu de nulle part. Voilà, il n'y avait que les archéologues et Robin qui étaient capables de lire les poneglyphes, ce qui soulevait des questions sur comment est-ce que God Roger avait fait, du coup, pour pour découvrir le sec oublié, lorsque Riley a dit on est arrivé à la fin, ah non mais c'est normal, il était capable d'entendre les objets, ça va, c'est le roi des pirates, ça passe, c'est un mec, il était ultra badass. Et là on a la tribu des trois yeux, c'est-à-dire que théoriquement, alors à part si l'espèce est peut-être éteinte, hein, ou que le mari, le dernier représentant de cette race, bah, Big Mom l'a capturé, l'a séquestré, lui a forcé à faire un enfant pour justement pouvoir profiter de cette capacité, sans pour autant avoir devoir collaborer avec quelqu'un des trois yeux qui n'est pas son enfant. Mais là, du coup, les questions que ça soulève, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas du coup d'autres moyens de décrypter les poneglyphes? Donc, le premier moyen serait Robin, le deuxième moyen serait d'entendre la voix des poneglyphes, qui sera sûrement dédié à des personnages comme Luffy, Barbe Noire, peut-être, hein, on ne sait pas, la tribu des trois yeux, et peut-être du coup, je sais pas, hein, parce qu'il y a quatre empereurs, voilà, et peut-être que du coup, il y aurait aussi une quatrième possibilité. Bon, ça, c'est qu'une idée. C'était surtout pour un peu faire le retour avec Zou, comme quoi ceux qui avaient écrit les livres, qu'ils avaient suivi une commande. Bah, une sorte de livre expliquant l'alphabet des samouraïs, genre un trésor antique caché de toute l'humanité pour justement que personne ne le cherche.
pour si jamais un jour quelqu'un de mal intentionné commence à se rapprocher du One Piece, bah, qu'on puisse donner ce livre à la personne qui apportera l'aube à ce monde pour qu'il puisse plus facilement décrypter. Voilà, j'invente le livre, hein. Genre une sorte de décrypteur de poneglyphes. Mais bon, voilà, c'est qu'une idée. Mais en tout cas, je trouve ça super intéressant parce que ça veut dire que théoriquement, bah, il pourrait y avoir plusieurs personnes qui, chacune de leur côté, découvrent ce que cachent les poneglyphes, sans pour autant devoir kidnapper une nouvelle fois Robin. Voilà, et ça c'est super intéressant, l'air de rien, parce que ça va éviter du coup de répéter une sorte de Enies Lobby Terre. Parce que je considère un peu que cet arc, l'air de rien, c'est un mélange, l'air de rien, avec l'arc de Thriller Bark et le petit côté... Et l'arc d'Agnès Lobby. Voilà, donc j'avais vraiment fait à peu près le tour. Ça tombe bien, mon téléphone est arrivé. Il m'a dit, bon, écoute, mon grand, t'as parlé depuis un petit moment. Maintenant, tu fermes ta gueule. Et du coup, j'aimerais juste terminer sur ça. Sur un petit dernier truc. De toute façon, il y a tout qui montre. Moi, je pense que par rapport aux actions de Sanji, en tout cas, il y a tout qui va finir par éclater. Il y a tout qui va finir par éclater. Que Sanji, on découvre que voilà, il a décidé un peu de se rebeller. Que Bimo, entend ça, il va commencer à s'énerver contre Judge et tatati tatata. Et je pense qu'il risque d'y avoir une bataille sur trois fronts. Et sincèrement, un peu comme sur les îles célestes, je kifferais parce que j'adore ce genre de situation où c'est pas du tel clan contre tel clan, mais que c'est vraiment lui contre lui contre lui contre lui. Et j'adorerais que du coup les Vinsmoke affrontent Big Mom, qui affrontent Luffy, qui affrontent les Mimscott, qui affrontent. Voilà, c'est. Non, j'ai. Je kiffe l'idée. J'espère qu'en tout cas la cérémonie de mariage va ressembler un peu à ça. Que bon, Judge, il n'est pas con non plus. Hein. Il avait peut-être même prévu de faire le même genre de choses en sacrifiant Sanji, justement. Voilà, c'est. Sans parler à Raiju, parce qu'il a remarqué qu'en tant que femme, elle était faible, entre guillemets, parce que c'est un sexiste en plus d'être un mauvais père. Il est alcoolique aussi. Mais bon, bref, et ça pourrait être. Ça pourrait être intéressant, du coup, vraiment, cette bataille, en tout cas, que les hostilités commencent entre Big Mom, Judge & Co, et que, bah, du coup, bah, le fil arrive, lui sort du Mirror World, ou je sais pas, après, il va y avoir plein de choses qui vont se dérouler, et qu'il arrive, et, entre guillemets, que la bataille ait lieu sur trois fronts, avec l'élite de Big Mom, l'élite des Vinsmoke, et l'équipage, en tout cas, les membres présents de l'équipage de Luffy, sur l'île Pedro & Co. Voilà, et d'art de rien, bah, c'est tout a l'air de s'annoncer comme tel. De toute façon, c'est, je pense que même lorsque on a compris qu'il allait y avoir des hostilités de la part de Big Mom, je pense que tout poussait vers ça. Après, peut-être qu'ils vont simplement s'entre-détruire, que Luffy, une fois qu'il aura récupéré Sanji, il partira juste chercher Brook dans la prison, il dira « Bon, les gars, maintenant on se casse, hein. De toute façon, on était venus juste pour faire ça, hein, juste pour te récupérer, maintenant que t'es là, on n'a plus besoin de se battre, hein, on n'a qu'à partir. » Mais je trouve que ce serait dommage, après tout ce qui s'est passé, tout l'arc, tous les personnages présentés, je trouve que ce serait dommage, il faudrait au moins qu'il y ait une petite bataille finale. Pas limite que ça se termine peut-être sur une défaite de Big Mom, mais qu'au moins... Au moins, il y a des échanges de coups entre les différentes factions, incluant leur chef, c'est-à-dire Luffy, Judge, Big Mom. Voilà, bah sur ce, c'était Rager, je vais vous laisser ici. Ça fera à peu près 28 minutes de vidéo. J'espère que cette review vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que c'est le cas. Et bien sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous souhaiter bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel de douche. Et vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.